Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va un peu mieux. Mon fils a l'air de s'être stabilisé, donc je donne des nouvelles parce que beaucoup m'ont demandé et je vous adore, je vous aime. Merci d'abord pour tous les merveilleux messages que vous m'avez envoyés. Je ne pensais pas que j'avais, si je savais que j'avais des gens formidables, mais pas à soi. Des gens qui s'intéressent comme ça à la vie des autres, il n'y en a pas beaucoup. Et certains sur qui on croit, on compte, sont absents. Ah, c'est curieux l'amitié, hein? Alors, d'abord, je tiens à remercier deux personnes en particulier qui savent. Une personne que je ne remercie pas du tout. Et puis toutes les autres que j'adore, je vous aime. Vos gentils messages. Alors, on est là pour se maquiller. Alors, maquillage spécial fait ou pas, hein? C'est-à-dire comme j'avais envie de me maquiller aujourd'hui. C'est-à-dire, on va parler en même temps, hein? Sinon, on n'est pas rendu. Oui, j'ai retrouvé un peu de sourire et surtout, j'ai bien dormi. Et ça, forcément. Alors, j'utilise le. Oh, aïe, bon Dieu, ça commence. Vous me reconnaissez, vous me retrouvez là. Le Marc Jacob, hein, je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Je vous montre? Ah ouais, il faut que je fasse quand même ma youtubeuse, pas que j'oublie de faire ma youtubeuse. Celui-ci en couleur Bisque Light, la 22. Donc, j'en mets très peu parce que il est constructible, ça ne dit pas. C'est-à-dire qu'on peut le mettre comme on veut, c'est-à-dire on en met peu, on en met beaucoup, on fait qu'est-ce qu'on veut. Mais comme moi j'en veux peu, parce que j'aime pas que ce soit, j'ai perdu le pinceau adéquat, ça commence bien, oui! Alors on va le faire avec le Beauty Blender, je déteste ça. Alors on va mettre un peu partout. Oui, donc mon fils, j'ai pas eu de nouvelles pendant une journée entière, ce qui est bon signe pour moi. Enfin, on est allé vérifier ça. Bon, il habite pas loin, hein. Alors, on a vérifié deux fois si sa voiture était là, ses volets étaient ouverts, tout était clean. J'aime pas le Beauty Blender, on met 2 heures pour faire son teint. Oui, je sais, il faut faire. Et donc. Donc, j'ai pas eu de nouvelles avant-hier. Et pas non plus ni mail ni téléphone de la part de la belle-mère, l'ex-belle-mère, qui est donc un très bon signe. Ça veut dire que tu avais dit de m'avertir. Chaque fois mon fils viendrait. Ben oui, il faut que je sache. Enfin, je n'avais pas dit ça, je lui ai dit de me tenir au courant. Sauf qu'elle, elle m'envoyait un mail à chaque fois que mon fils sonnait. C'est-à-dire que ça devenait vraiment, elle aussi, de harcèlement. Mais bon, je ne suis pas comme ça, moi. Je comprends. Je comprenais sa détresse. Moi, je comprends les autres. Je peux me comprendre, mais je comprends les autres. Bref, donc, il n'est pas venu d'une journée. J'avais peur en même temps. Chaque fois qu'on frappait à la porte, chaque fois que j'avais un mail, chaque fois que mon téléphone sonnait, je tremblais. Alors attends que je regarde, quoi je ressemble. Florence Monroe, hein. Ça m'étonnerait que je ressemble tout d'un seul coup à Marilyn Monroe. Bien que j'ai presque le nom, oui. Mais en fait, j'ai pris un pseudo. Ouais. Mais je sais, n'importe quoi, ça sert à rien ce que je viens de dire. Bref, et hier donc, en fin de matinée, je crois. Je sais plus quand, on s'en fout d'ailleurs. Il est venu. Et dès qu'il est rentré, j'ai vu que ça allait mieux. Il avait un visage normal, pas bouffi par les larmes, pas rouge, tout rouge ici en dessous, là. Lui, c'est comme ça que ça se traduit. Il a les yeux rouges à l'intérieur, bien sûr, mais il a surtout une espèce de bande ici, rouge. Et ça n'était pas, j'ai dit, c'est bon. Enfin, c'est bon pour l'instant. Attention, je ne crie pas victoire, non. Oh non! Mais bon, ça s'est bien passé, il a été aimable, il a été pas bavard du tout, j'ai parlé un peu, ça m'a servi une instruction, mais il ne m'a pas écouté, hein. Mais bon, je n'ai pas non plus insisté. Pardon, c'est le café, il est là. Estimant qu'il allait mieux, c'est pas la peine de, aller farfouiller le couteau, hein. Donc voilà, j'ai été comme je le suis toujours, une maman aimante. Je lui ai fait des câlins. Oui, il a 25 ans. Oui, il est plus grand que moi, plus costaud que moi, il n'a pas d'importance. C'est mon fils, c'est mon bébé. C'est mon gros bébé. Gros, oui, mais bébé quand même. Donc maintenant, on va poudrer très légèrement avec toujours ma poudre Nuxe. Ah ben alors elle, je pense que je vais la finir. C'est très rare de finir une grosse poudre comme ça en plus. Quand même. Alors c'est un bronzer comme on veut, hein. C'est illisible parce que derrière c'est écrit en doré sur du doré.
Malin, Nux, hein? Comment tu dis, toi? Donc, je prends un gros pinpin, un gros pinpin, un gros pinceau que j'écrase dans la poudre et qu'ensuite j'écrase sur le miroir. Donc, ça écrase mon pinceau, ouais, c'est pas grave. Bon. Et j'en mets partout, comme ça, ça fixe mon maquillage, ça le matifie légèrement. Bien que je n'ai pas la peau grasse et que. Mais c'est vrai qu'il est un peu glowy, ce fond de teint Marc Jacob. Donc, je pense qu'il n'est pas terrible pour les peaux grasses. Mais j'ai une peau normale, à mix. Enfin, normale. Normale, en fait. Je ne brille pas. Enfin, sauf si je mets du highlighter, sinon ma peau en elle-même ne brille pas. Oui, je suis parfaite. J'ai pas de rides, je brille pas. J'ai pas les pores dilatés. Bon, j'ai la ptose. Alors ça, pour avoir la ptose. Et la peau, là, regardez. Voilà, ça j'ai. Mais alors, c'est pas grave. Je prends de la poudre sur le côté de mon pinceau pour faire mon creux, mon contouring. Bon, alors là, ça marque un peu. On machinera après. On va mettre un peu sur le nez. On va peut-être changer de pinceau quand même. Celui-là est un peu gros. On va prendre un pinceau plat, pinceau à fond de teint, à masque, à ce que vous voulez lui faire. Moi, ça me sert des fois, vous avez déjà remarqué. Je vais affiner mon nez. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Bon, c'est pas comme si j'allais faire la fête, hein, comme si j'allais avoir du monde qui me regarde. Il n'y aura personne, il n'y aura que chérie. Il y aura surtout chérie. Non, mais lui, il va rester en pyjama. Enfin, mais moi, aujourd'hui, je m'habillais. Enfin, je m'habillais très simplement. Je vous montrerai après, d'ailleurs. Pas sur moi, non. Non. Je montrerai les éléments, élément par élément. D'accord? Bon. Ensuite, attendez, j'essaie de prendre dans l'ordre ce que je suis en train de dire, je suis perdu. On va finir le teint aujourd'hui. Donc mettre du blush rose de chez Dior, parce que Dior, j'adore, et qui est le, je vais pas le refermer, j'ai galéré pour l'ouvrir, qui est le Happy Cherry. Vous avez déjà vu une cerise en heureuse, vous? Ben voilà, c'est une cerise heureuse. Alors, bon, il y a un petit pinceau dedans, mais je l'utilise pas. Pourquoi? Je sais pas. Je vais utiliser ce mini kabuki que j'avais eu, qui est un Dior également. Oui, monsieur, oui, madame, je suis une personne très chic. Oui, pas du tout forcé, n'est-ce pas? Et on étale là pour donner de la couleur. J'en ai trop mis, ça fait enlever son bras. Et on remonte pour lisser. Oui. Oui, donc voilà. Donc oui, il a été simple, il a pas râlé, il a été. Voilà, puis il est parti. Donc je lui dis, ça va mon fils? Moi, hein. Bon, donc, comme ça. Oui, vous en avez vu, j'en mets un peu où j'ai envie, en vrai. Donc, pour le blush. Ah, si, je peux le fermer. Pour le blush, je range. Après, je vais faire les yeux. Alors, les yeux, je vais mettre de la base, exceptionnellement, la base Lorac. Ouais, Lorac, parce qu'elle était dans la lèvre Lorac, je crois. Oui. Non, elle était chaude, elle était. En fait, non, je sais pas où elle était. Enfin, bref, peu importe. Une base pour les yeux, pour faire tenir mon maquillage jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à 9h30 à peu près. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ouais, mais les yeux, difficile à faire sortir. À mon avis, le trou est bouché. Ouais, on rigole pas. Hein. Prenez du Smecta, c'est... Non. Florence, non. Donc, on en met sur toute la paupière. Je sens que ça fait des. Non, il y a un pâté là. Attendez, il faut que j'en reprenne, il n'y en a pas pour l'autre œil. Oui, donc voilà. Donc je suis rassurée. Enfin. Non, je ne suis pas rassurée. J'ai peur toujours. Mais je me renseigne de ci, de là. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec une association. C'est une de vous, les amis. Ouais. Ma pupille, je ne sais pas laquelle, je ne me souviens plus, pardon, hein, mais j'ai eu tellement de. Commentaire merveilleux. Donc je me rappelle plus qui tu es, mais tu te reconnaîtras. Qui m'a donné le numéro de téléphone d'une association que j'ai contactée. Alors bon, c'est les fêtes, donc c'est compliqué. Et les fous sont, pardon, oh, pardon, les malades, ils sont en fête aussi. Donc c'est très bon. Bref, j'ai rendez-vous, je sais plus quel jour. Je l'ai noté sur mon agenda parce que moi aussi,
Je me rappelle de rien. J'étale bien ma vague, pas ça va dépasser. J'ai rendez-vous, donc je ne sais plus quel jour, la semaine prochaine. Ma fille, je la vois le 2, 3, et je la vois le 6 ou 7, je ne sais plus. Bref, donc ça doit être le 9. Peut-être que je dis des bêtises, mais peu importe. J'ai pris rendez-vous. Voilà. Donc là, je vais utiliser la palette Stila In the Moment Eyeshadows Palette. Bon, bref, elle est très belle et je vais utiliser le violet. Parce que le violet sur les yeux marrons, c'est à tomber par terre. Bref, parce que j'aime. Pourquoi? Parce que j'aime et que j'ai essayé plusieurs fois. Donc j'ai déjà essayé deux fois celle-ci et j'adore. Les couleurs sont magnifiques. Je vais donc mettre sur toute la paupière, de partout, ce mauve satiné. Ouais, moi, ça teint tout le temps, ça teint tout le temps. Prends un pinceau fouteur, propre mais teinté vu qu'il est blanc. N'achetez pas de pinceau blanc, enfin de toute façon, vous savez qu'il est propre, hein. Donc j'en prends beaucoup sur mon pinceau et j'en tartine. Regardez comme il est bien. Alors il y a la base en dessous, mais même sans base, il est très pigmenté. Il est très pigmenté et je trouve ça magnifiquement beau. Voilà, j'en ai beaucoup. Bon, sinon, parlons d'autre chose que de mon fils, s'il vous plaît. Voilà, donc nous, au réveillon du jour de l'an, tout seul, normalement. À moins que le buraliste vienne mettre son nez. Je sais qu'il est tout seul, qu'il va peut-être chez son fils, il n'a pas très envie parce que c'est à 1 heure de route. Et que s'il a envie de boire un coup, oui, on a le droit de boire un coup. Oh, les sans-alcool, basta cosi. Et là, attendez, je fais n'importe quoi. Je parle de tout en même temps. Parler, mon buraliste me trouble. Et là, je mets du violet. Très légèrement, celle-ci. En creux de paupière. Enfin, sur l'extérieur de la paupière et en creux de paupière. Et mon café à côté de moi qui, comme d'habitude, refroidit. Ma mère buvait toujours son café froid parce que, pareil, elle n'avait jamais le temps de le boire. Je crois que j'ai malheureusement beaucoup, oui, malheureusement, beaucoup, je tiens beaucoup de ma mère. Même des fois, sur certaines photos, je me dis, mon Dieu, Florent, tu ressens un peu mère à ta mère. Pardon, maman, tu regarderas jamais ces vidéos, mais si tu les regardes, faut pas m'en vouloir. Mais elle vieillit très, très mal. Très mal. Mais qu'est-ce que je mélange tout là? C'est pas, vous m'en voulez pas, hein? On fait ce qu'on veut. D'accord? Voilà, donc. Attendez, je suis en train de me coincer le doigt dans la palette. Je trouve ça tout à fait magnifique. Moi, j'adore. La part de loin, moi j'aime. Mais l'angle extérieur n'est pas assez prononcé. Alors on va changer de pinceau. On va prendre un pinceau fin. Plat, biseauté et très fin. Voilà. Ces lumières me donnent chaud, c'est terrible. Là, je vais boire du café froid. Et je vais donc accentuer l'extérieur avec, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il s'appelle Improvise. Ah bah écoute, ça tombe bien. C'est un ton foncé, un marron violet pailleté, satiné. Et vous voyez, il est foncé, oui, il est foncé, oui, il est foncé. Bah alors, moi je m'en fiche. Donc je prends sur la tranche du pinceau, hein, et je fais une banane qui revient par là. Voilà. On laisse son bras après. N'ayez crainte, les gars. Oui, donc on se fait une petite réunion nous seuls. Chérie, c'est chérie qui va cuisiner. Il va nous faire un magret de canard avec sa sauce à lui. C'est-à-dire sucré salé. Et des petites patates sautées. Et j'adore en plus. J'adore, non, j'adore pas, j'adore quand c'est lui qui cuisine. En fait, ce que je préfère dans la recette, c'est la sauce. Et je lui dis, si on peut dire ça, c'est vexant quand même. Ah tiens, j'ai oublié de mettre un truc, ça fait rien, je ne mets pas. Attendez, je cherche un flouteur. J'en ai plus. Alors, on va prendre un flouteur. Le flouteur de tout à l'heure, puisqu'il est clair. Voilà. Moi, j'aime bien quand ça fait l'angle là, vous voyez? Quand ça fait œil de biche. Donc, je me fais rater, je ne me vois pas. Je parie gay, hein. En fait, je ne suis pas très gay.
J'aime pas les jours où en fait il faut être gay parce que c'est comme ça. Mais vous savez, donc ce dont je rêve, c'est d'une grande fiesta. Ouais, avec plein de gens. Et chérie n'est pas d'accord, donc forcément ça ne sera pas. Parce que voilà, j'ai envie de voir des gens, de déconner, de rigoler, de danser bêtement. Vous savez comment on faisait à 15. Non, pas à 15 ans. Comment je fais. Regardez, je l'ai essuyé, regardez comme il est humide. Et donc je vais le prendre encore. Et je vais prendre ce. Là, allez, tu vois, j'ai chaud, je vais transpirer dans 2 secondes. Ce blanc crème satiné pour faire le dessous des sourcils et le coin interne pour donner de la lumière à mes yeux. Bon, mes yeux sont tellement lumineux déjà. Je rends plus fatigué. Et là, donc, je prends sur le doigt, avec le gros, c'est bien, je vais en mettre partout, c'est pas grave. Normalement, on fait ça de façon délicate et élégante avec les petits doigts. Parce que le petit doigt a à peu près la taille de votre creux de paupière, les gars. Excusez-moi, mais j'ai des poils de pinceau partout. J'ai des cheveux propres, donc ça me tombe de partout. Ça m'énerve. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Moi, j'adore. Moi, j'adore. C'est bon, tu l'as déjà fait. Je range là, c'est là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, copine. Je dirai pas tout parce que c'est comme ça. Donc là, on va juste éventuellement, s'il y a des chutes, on les enlève. Ah non, pas encore, avant de finir le teint, j'ai pas fini les yeux. Il faut pas que j'oublie le mascara. Des fois, j'oublie le mascara. Alors que c'est ce que je préfère dans le maquillage. Et là, je vais mettre en highlighter. Alors, Urban Decay Naked Illuminated, qui est très beau, mais qui est très, très, très poudreux, comme tous les fards Urban Decay. Vous verrez, il y en a plein à la palette. C'est très pénible. Plein de coffrets, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment on dit. Attendez, dessous, il y a un pinceau. Il faut que je l'attrape. Donc, on va utiliser, je détériorerai, j'allais péter les pinceaux pour mettre. Donc là, en fait, l'highlighter, je prends la poudre qui est autour du fard, dans la boîte. Haute pommette, tour de l'œil. Voilà. Boule à facettes, c'est le jour. Hein? Ouais, c'est dans le nez. Ici. Attendez, attendez, j'ai rangé le pinceau. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire sur ce soir? J'en prends sur le bout de mon doigt. C'est un doré argenté. Ça veut rien dire? C'est vrai que ça veut rien dire. Ah, ça veut rien. Voilà. Pour repulper ma lèvre fine. Ouais, les lèvres fines. J'aime pas mes lèvres. Tiens, quelque chose que j'aime pas. C'est comme tout le reste. Hein. On dirait la fille qui s'aime, qui s'adore, tu sais. Pas du tout. Pas de tout. Nous allons mettre en mascara. Je vais faire qu'un œil. Hein. Ah oui, je vais faire qu'un œil, j'oublie. Bon, je vais faire un œil. Je reviens. Bon, voilà. Donc, j'ai fait cet œil. Je fais celui-ci avec le. Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Ah oui, vous ne voyez pas là. Là, vous voyez. Moi, je vois rien par contre. Hein. Alors, attention les yeux. Attention les yeux, ça ramène. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça veut strictement rien dire. Hein. On est d'accord. Non, j'aime bien ce violet. Oh, j'adore. J'aurais pu, oui, mettre des paillettes. Non, oui, des étoiles, des paillettes. J'ai pas envie parce que je vais rester comme ça toute la journée. En même temps, je vais voir personne. Mais bon, chérie va venir. T'es sûr, ça va, Flo? Non. Moi, je suis sûr de rien dans la vie. Hein. T'es sûr de quelque chose dans la vie? Ben non. À part être sûr qu'on va mourir un jour. Le reste. Vous savez qu'il va arriver un truc en ce moment. Attention, accrochez-vous, c'est débile, ça n'a aucun intérêt. J'arrive pas à me lever le matin, moi qui suis du matin. Bon, en même temps, je me lève 9h, hein. Matin 9h moins 20. Mais déjà, pour moi, c'est tard. Puisque j'aime tant me lever quand personne n'est levé, c'est-à-dire j'aime me lever à 6h30, 7h. Alors, je me suis réveillée à 7h,
Et je me suis recouché, je me suis dit, oh, t'es fatigué, va te coucher. T'as quoi à faire? Rien. Mais du coup, le matin passe trop vite. Et je sais pas pourquoi j'étais en sommeil. Non, je ne sais pas. Non, surtout, peut-être que c'est une façon de ne pas vouloir aborder une journée dont on a peur. Pourtant, d'habitude, moi, les journées, au contraire, c'est toujours l'ouverture vers un nouveau monde. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrête de dire, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est moche comme expression. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en soi. Ouais, bon, je raconte n'importe quoi. Bon, voilà, ça suffit, hein, maintenant. Enfin, ça suffit parce qu'il est quand même 20 minutes là. Oh! Ceux ou celles qui sont partis avant, bah, tant pis pour vous, hein. Je voulais que je vous dise. Oui, on va refaire un petit coup de. À l'instant, hein. Voilà. Je vais mettre un contour des lèvres qui est le crayon magique Walk Make semi-permanent, aussi bien pour les lèvres que les yeux. Je me vois mal, mais du rose, mes yeux. Ah, c'est pas du rose, c'est du. Si, c'est du comment on dit, bois de rose. Mais moi, je trouve qu'il fait rien. Attendez, attendez, les beaux jets, pas j'arrive. Pardon, j'ai entendu mon. Je vois pas ce que je fais. Non, je vois pas. Il marque pas. Alors. Alors, j'ai les lèvres fines. Alors, j'essaie de déborder très légèrement, mais très légèrement, sinon ça fait pouf. Et je colorie légèrement. Et là, Arsenir, hein, Arsenal. Vous avez compris ce que j'ai dit, bien sûr. Vous avez bien compris, hein? C'est facile, oui. Il y a quelque chose, non, bon, rien. Bon, peut-être pas assez mis sur en haut. Sur en haut. On vient d'apprendre, France. Vous avez vu, j'ai retrouvé un peu ma pêche. Mais je vous dis, c'est aussi un cache-misère. L'humour est souvent un cache-misère. Oh mon Dieu, elle va pleurer. Et alors, figurez-vous que j'ai reçu, enfin, les rouges à lèvres Kiko. Vous savez, c'était le défi, de la, pas le défi. Le test de la Team Beauty majuscule du mois dernier, en décembre, j'avais pas reçu les rouges à lèvres, je les ai reçus. Alors peut-être que vous ferez une petite vidéo test, mais bon, à la limite, on va la faire maintenant. Alors j'ai reçu le Red, le classique Red, et le Rosy Hibiscus. Alors moi, je me dis, le Rosy Hibiscus, ça va être un rose. Tu parles que c'est un rose. Oh, ça c'est le bouchon. Non, c'est pas un rose, c'est un. Comment vous dire? Plutôt un marron, hein? Donc la couleur déjà me déçoit. Pour moi, rose hibiscus, c'est rose. Et sinon, le red classique, eh ben, c'est un rouge. Mais un rouge cuivré quand même. Donc on va mettre celui-là. Attendez. Attendez, je reviens. Ah bah oui, c'est un rose. Alors, c'est un semi-mat. J'ai déjà essayé. Bof. Semi-mat, oui, parce qu'il est confortable. Mais tient-il mieux que les autres? Non. Honnêtement, non. Ah oui, il est semi. Semi quoi? Semi-tout. Il est très confortable à application. Il est très facile à mettre. Je ne vois pas en même temps. Ah, j'ai un peu raté d'un côté. Attendez. Ah, attendez. Ah, ben c'est sûr qu'il n'y a pas de quoi manger pendant 15 jours à 15, non.
Mais bon, c'est un mini, hein. C'est bien pour le sac à main. Bon, voilà quoi, c'est un rouge à lèvres. C'est chiant, Florence. Ah, il est hyper confortable l'application et ce tout petit embout est très pratique pour faire l'arc de Cupidon. Que chéri déteste, que j'accentue, il a horreur de ça. Ouais, je vous parle de chéri, je fais ce que je veux. On dirait Miss Gazelle, là, quand j'ai parlé. Voilà, mais je crois que j'ai terminé mon maquillage, les enfants. Qu'en pensez-vous? Enlevez cette merdouille, hein, qui en plus me donne horriblement chaud. Ah, ça y est, donc. Ah, mais là, j'ai décidé de changer de côté. Ouais, pourquoi? Pourquoi pas? Regardez comme ils ont l'air jolis, comme ça, dans la lumière. Hein? Hein? Et je vais mettre des boucles d'oreilles. Ah oui, il est beau. Celle-ci, vous les connaissez. Donc, tout à fait ravissante. Argent, je peux arrêter de bouger, voilà, comme ça. Mais celle-ci, par ce. Ah, mais non, je peux pas, je suis bête, j'en ai déjà. Mon Dieu. Ben là, vous devez rigoler. Ouais, je vais pas les changer, c'est bien. Bon, alors attendez, changer. Oh, pour pouvoir. Mais mes lunettes, où sont mes lunettes? Donnez-moi mes lunettes. Où sont mes lunettes? Et puis en ce moment, de toute façon, vous aurez peut-être de demain ou après-demain, je sais pas. Pour aujourd'hui, j'en sais rien. Une vidéo produit terminée. Je vous aimez bien en plus. Et donc là-dedans, vous savez, j'avais plein de parfums, de petits échantillons de parfums. Bah, figurez-vous. Mais je suis, moi, en parfum, je suis dingo. Il n'en reste que deux. Et ce sont des Angels. J'aime bien Angels, mais c'est vrai que comme moi, j'en mets beaucoup. Oula, ma bouche, ça fait un peu boum. Vieille. À la fin de la journée, oui. Bon, c'est pas grave. Ça, il faut que je lave. Alors, je vous montre mon. Attends, tu veux faire un truc, là? Yeah! Je vais mettre. Bon, tout est un gros, je t'en fous, mais il est très joli parce qu'il est pailleté. Je vais mettre. Ce où vous l'avez vu l'autre jour, je crois, pour Noël, j'avais mis. Ah oui, c'est mieux si je prends dans le bon sens. Bon, enfin bref, vous savez, il a les épaules découvertes. Il a un joli décolleté. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est. Ça, c'est le devant. Le devant, donc croisé. Ouh là, la lumière. Et derrière, décolleté très légèrement dans le dos. Pas trop, parce que moi, je suis obligée de porter un soutif, ah oui. Non, les filles, vous avez des petits seins, vous avez de la chance. Portez pas de soutien-gorge, mais quelle chance vous avez. Portez un soutien-gorge, c'est trop chiant. À part pour faire joli, quand vous êtes jeune et belle, mais, et en collant, même bête, des collants pailletés. Alors, pas la même couleur que le t-shirt, mais c'est pas grave. Ils sont pailletés noirs et. Je sais pas la lumière si c'est argenté ou. Je pense que c'est argenté. Voilà. Et en jupette, nous allons mettre cette jupette qui est une jupette très ordinaire, noir en coton, mais avec le détail qui fait là toute la différence et qui est très très joli. De la dentelle, un empiètement de dentelle. C'est par transparence sur les jambes, c'est très beau. Avec les cuissards, c'est génial. Super sexy pour personne, pour rien, on s'en fout. Bon, ben voilà, c'est tout. Je suis très mal maquillée, mon rouge à lèvres. Hein? C'est pas grave, on doit se contenter de ce qu'on a dans la vie, c'est ça. Allez, salut. À demain, les poupettes et les poupées. Les poupettes et les poupons. Je vous aime, je vous adore. Merci pour merveilleuse attention. Je vous jure que j'ai pleuré parfois. Parce que quand on est comme ça, on est à fleur de peau. On est le moindre truc, vous. Même les bonnes choses vous font pleurer. Enfin, pas pleurer, c'est pas vrai. Pleurer, non, parce que je pleure plus. Mais vous trouble, vous émeuve. Comment je